encore du vin? Mais on va bientôt manger. Peut-être, mais j'ai soif maintenant. Je me demande bien pourquoi je te fais des remarques. Tu n'en tiens pas compte. Ben peut-être parce que j'en ai rien à faire de tes remarques. Tu viens m'aider à mettre la table? Mais t'as pas un mari et une fille pour faire ça, non? Oh. Bernard n'est pas encore rentré du travail et Agathe fait ses devoirs. On a tous un boulot ici. Sauf toi. Oh. Moi j'ai trimé toute ma chienne de vie avec ta mère. Tout ce que j'ai, je l'ai gagné moi. J'ai l'âge de me reposer un peu, non? Tu crois pas? Ben repose-toi. Agathe, ma petite chérie, tu peux m'apporter ma radio et ma couverture, je te prie. Tiens, ta couverture et ta radio. Merci, ma petite chérie. Agathe, ma petite chérie, il me saoule quand tu parles comme ça, je suis plus une gamine, merde. Moi aussi, il me saoule. Des histoires extraordinaires. Ça dure depuis des années. Il emmerde tout le monde. Une émission proposée par Pierre Bolac. Regardez. Il est encore nous gonfler avec son émission à la con. Je le supporte plus. Vous pouvez pas vous taire un peu, non? Tiens, qu'est-ce que je disais? Je sais, c'est tous les soirs la même histoire. Gna gna gna, mon émission, gna gna gna, vous pouvez pas vous taire. Surtout que c'est nul. Mais que des histoires de meurtre. Des trucs bien glauques. Agathe, laisse-le. Il fait rien de mal. Mais c'est chelou, tu trouves pas? Ça pourrait donner des idées. Des idées de quoi? Ses lettres de noblesse à Agathe. Mais vous allez la fermer un peu, oui, oh! Avec ta mère débarrassée. Une longue avenue centrale qui distribuait. Mais laisse la bouteille là. Brou était une petite bourgade tranquille. Sans relief, mais dotée d'un cadre que ses grandes. Oui, je veux bien. Agathe, amène un verre à ta mère. Oh, ça suffit, papa, tu nous saoules maintenant. On peut bien discuter, non? Ce jour-là, légèrement, une chute de coton bleu et d'un débardeur jaune comme. C'est de pierre en pierre, je me trompe? Elle marchait très bien et joyeuse. Julie était une jeune femme souriante, agréable pour son entourage. Ça finira jamais. Cette étudiante en économie faisait. Finira bien un jour, hein? Mais vous allez fermer vos gueules, oui! Qui allait s'acharner sur. Qu'est-ce qui finira un jour? Laisse faire. Après te laisser faire quoi? Réglé ses achats et repris sa marche vers son domicile. Laisse faire. Un peu en contrebas de la rue du Jean-Jaurès, au 3 de la rue des Peupliers, précisément. C'est un petit bâtiment en pierre sans charme particulier. Papy, je voudrais vous offrir une bonne bouteille de vin. Allez, mets avec moi la cave. Comme ça, vous choisirez celle que vous voulez. Mais merde, à la fin, moi, j'écoute la radio, là. Elle repasse, votre émission. On l'écoutera ensemble, si vous voulez. Allez, mets avec moi. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Ah, hey. J'aime pas comment on merde quand j'écoute la radio. Assez important pour ne pas être repéré. Mais il était assez prêt pour pouvoir intervenir rapidement. Julie Despieux ouvrit la porte de son appartement avec sa clé. Aussitôt l'homme s'est jeté sur elle. Il lui a frappé le visage. Il a claqué la porte. Elle était prisonnière d'un monstre, mais elle ne le savait pas encore.